Le steampunk, j'adore ce genre en fait. Vous avez tout un tas de dessins animés et même de films maintenant avec le Hugo de Martin Scorsese et le Prestige de Nolan qui sont emparés du genre. Et derrière le steampunk, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, l'idée que des technologies anciennes puissent devenir high-tech. J'adore ça parce que on a une lecture de l'histoire complètement linéaire. Il y a le passé qui est évidemment attardé et qui se complète dans des évidences stupides. Et puis il y a le futur qui sera beaucoup mieux et qui nous rapprochera un peu plus des extraterrestres, de la jeunesse éternelle et du grand plan machiavélique du Forum économique mondial. Et moi ce que j'aime évidemment c'est de faire un peu de rétrofuturisme, de regarder ce qui aurait pu être fait, mais pas complètement d'une façon rétrofuturiste, simplement se demander quelles sont les anciennes technologies du futur. Le terme est du professeur Fiorenzo Omenetto qui a fait un magnifique TED sur la soie en disant que c'était l'ancien matériau du futur, et il a tout à fait raison. En plus de la soie du Bombyx du Mûrier qui a donc juste à elle seule fait la route de la soie, bah on a les soies d'araignée, on a les soies de moule, de bivalve en général, qui étaient utilisées pour faire des vêtements. Enfin, c'est un matériau complètement dingue qui pourrait faire aussi bien des gants pour les douanes qui ont besoin de ne pas avoir des gants pénétrables par des seringues et qui restent flexibles, que des armures, que des matériaux d'aéronautique, etc. Et puis vous avez le liège, qui lui aussi est utilisé dans l'astronautique, alors que c'est un très ancien matériau, évidemment, puisqu'il s'agit simplement des polyphénols du chêne liège. Donc je trouve ça super excitant de revisiter un peu les technologies du passé qui pourraient nous servir aujourd'hui. Et puis quand on avait fait le tour Super France en 2020, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Georges Devailly et qui m'a dit j'ai fait un rapport et un mémorandum sur le fait qu'on pourrait stocker l'énergie aujourd'hui avec uniquement des technologies d'avant 1914. Alors j'ai fait waouh, 1914 c'est stylé, c'est la belle époque, c'est avant le premier grand suicide européen qu'est la Première Guerre mondiale, qui nous a d'ailleurs offert l'abonnement pour la deuxième et qui nous a amené la guerre froide et les situations au Moyen-Orient, puisque la répartition des frontières au Moyen-Orient, bah, c'est complètement issu des Première et Deuxième Guerres mondiales. Bref, avant, on était dans l'esprit Jules Verne, on était dans la belle époque, Arsène Lupin, Sherlock Holmes, les gentlemen extraordinaires. On avait une vision très techno-positiviste du monde, même si le malthusianisme était déjà là, et même si, évidemment, tout n'était pas rose. Mais tout de même, on avait un élan technologique sans précédent entre le canal de Suez et le canal de Panama. Alors, je me suis intéressé à ça, une sorte de steampunk actualisé sur les problèmes du monde. Par exemple, on nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de technologie de stockage pour les énergies renouvelables. Alors, rappelez-vous, the science is clear. Et on devrait dire plutôt the science is cleared, hein, au prétérit, parce que la science a été éclaircie, écartée de tous les scientifiques qui n'étaient pas dans le sens de la politique. Ce n'est pas the science is clear, c'est la science a été dégagée, la voie a été faite, tous les gens qui n'allaient pas dans le sens de la politique ont été jartés. Parce que si vous croyez une seule seconde qu'aujourd'hui c'est le savoir qui règne sur le pouvoir, eh ben vous allez au devant d'une sacrée désillusion, parce que oui bien sûr c'est le pouvoir qui règne sur le savoir, et le pouvoir a domestiqué une certaine vue de la science pour aller dans son sens quoi qu'il arrive. Alors ce fameux The Science is Clear, qui est, comme vous le savez, la version contemporaine du Tina de Margaret Thatcher, There is no alternative, eh bien il faut évidemment le débunker, comme on dit de nos jours. The Science is not clear, absolument pas. On a en fait tout un tas de solutions techniques qui nous permettraient d'avoir l'abondance. Donc, dans la série Science de l'abondance contre religion du rationnement, bah les moyens de stockage de l'énergie, c'est super excitant. Alors, vous en avez deux, grosso modo, qui datent même d'avant le 19e siècle, pas seulement d'avant 1914. D'abord, la compression d'un gaz comme moyen de stockage de l'énergie, et bien entendu, la gravité comme moyen de stockage de l'énergie, popularisée par Huygens,
Principe du coucou, tout simplement. Vous remontez un coucou, vous avez stocké de l'énergie. Qu'est-ce que c'est? C'est du stockage gravitationnel. Eh bien, vous avez l'entreprise Gravitricity qui propose des solutions de ce genre. Il faut comprendre que d'une façon générale, les batteries type lithium, les batteries chimiques, qu'on appelait donc des piles parce que c'était vraiment des empilements hein, au 18e siècle. On empilait des ronds comme ça de matière, donc c'était des piles électriques, et c'est de là que vient l'expression. Bah, en fait, ça c'est intéressant quand vous devez emporter votre source d'énergie, quand vous avez besoin de mobilité. Là, la batterie est intéressante. Et même au-delà de la mobilité, le TGV n'emporte pas ses propres batteries parce qu'il est toujours raccordé au secteur. Donc, ce n'est que dans certains cas de mobilité que la batterie est intéressante. Il y a plein d'autres cas où partir sur une batterie, par exemple lithium-ion, maintenant on a des batteries au graphène, on a des batteries au soufre, même si elles ne sont pas encore complètement passables à l'échelle et ne sont pas devenues la règle plutôt que l'exception. Mais la batterie, c'est quand même beaucoup plus intéressant quand vous avez un appareil mobile, quand vous avez un engin, par exemple un bateau ou une voiture ou un avion, un véhicule. Et même là, bon, c'est vrai que sur le sol, vous pouvez avoir des moyens de stockage chimique. Par exemple, aujourd'hui, on a des moyens de stockage par la rouille, tout simplement. On oxyde du fer et ensuite on le désoxyde et on peut restituer de l'énergie comme ça. Une entreprise américaine fait exactement cette solution. Mais donc, pour la gravité, bah vous avez des solutions aujourd'hui. Vous avez de gigantesques tours qui vont faire monter une masse et permettre de restituer comme ça de l'énergie. Et vous avez des coûts au kilowattheure qui sont extrêmement compétitifs en termes de stockage et qui vous permettent donc de stocker de l'énergie en tout lieu, en tout endroit. Et évidemment, de faire face au problème d'élasticité des énergies renouvelables. Et donc, pour ce qui est du gaz, bah, vous avez la possibilité de comprimer un gaz, parfois même de le liquéfier. Vous avez une entreprise anglaise qui vient de construire le plus gros ballon de gaz liquide au monde pour stocker de l'énergie. Et là, vous avez de très belles synergies qui peuvent être faites et de très beaux débouchés pour des entreprises comme Air Liquide, par exemple, qui reste une belle perle française qui est demeurée dans notre territoire. Elle n'a pas eu le destin tragique de la division turbine d'Alstom et on lui souhaite évidemment de continuer à demeurer française, mais parmi les synergies que Air Liquide peut offrir aujourd'hui, bah vous avez la possibilité de stocker de l'énergie, pas seulement d'avoir toute une chaîne sur les gaz liquéfiés pour applications industrielles. Et puis puisqu'on parle du gaz, dans la vidéo où je parlais du fait que non, nous ne manquons pas de gaz, bah j'avais oublié de vous parler aussi du fait que les stations d'épuration, les STEP, peuvent tout à fait méthaniser et on peut faire des synergies là aussi avec les déchets par exemple de centres équestres. On peut récupérer le crottin de cheval ou la sciure de bois ou tout un tas d'autres déchets et quand vous les mettez dans l'eau des stations d'épuration, en fait vous augmentez vos rendements d'épuration, votre épuration coûte moins cher en énergie et en temps. Parce que certains déchets comme le crottin de cheval peuvent se comporter un peu comme du charbon actif, un petit peu en tout cas, et puis vous méthanisez davantage, et donc vous avez des stations d'épuration notamment au Danemark qui font ça, qui méthanisent, et ça c'est absolument génial parce que vous avez donc des synergies. Or, vous aurez compris, les business schools d'antan mettaient toujours l'accent sur les économies d'échelle. Il faut faire une seule chose, un seul métier, et le faire en très grande quantité. Comme ça, on va réduire les coûts et on va pouvoir écraser la concurrence. C'est grosso modo la stratégie de Walmart, et c'est ce qui est caricaturé dans l'entreprise dystopique By and Large dans le film Wall-E. Parce que ce sont les excès de l'économie d'échelle en fait qui nous ont beaucoup amené à la situation écologique qu'on connaît aujourd'hui. Donc la synergie, c'est l'économie d'échelle de demain. Elle aura bien sûr des faiblesses et on l'améliorera, mais la synergie, c'est beaucoup mieux que l'économie d'échelle. Et dans le cas donc de la méthanisation des eaux usées, bah, vous avez une synergie où quand vous mettez deux déchets ensemble, quand vous faites cette espèce de speed dating des déchets, eh bien vous parvenez à une création de valeur absolument excellente et vous résolvez plusieurs problèmes à la fois. C'est un concept que j'ai appelé dans mes travaux le covoiturage des problèmes. Vous essayez de résoudre plusieurs problèmes avec une solution. Et c'est évidemment ce que fait le vivant en permanence. Le vivant essaie toujours de résoudre plusieurs problèmes avec une seule solution, alors que nous, évidemment, on a une mentalité industrielle qui est de résoudre un problème avec une solution. Et c'est pour ça qu'on a toujours cette course en avant permanente avec de nouveaux problèmes qui sont créés par nos solutions précédentes. C'est le problème du plastique, c'est le problème donc des stockages de l'énergie. Donc la compression des gaz,
Première solution, alors c'est une famille de solutions au passage, c'est pas juste une solution. Vous avez la compression, vous avez la liquéfaction, mais on peut stocker de l'énergie avec cette bonne vieille techno qui date du 19e sans problème, en fait même de la fin du 18e. D'ailleurs Paris avait des stations de compression de gaz qui alimentaient toute une industrie. On les utilisait aussi bien donc à Birmingham, à Manchester, à Londres pour alimenter des usines et dans la Ruhr aussi, la Ruhr qui est vraiment la représentation idéale du steampunk avec la Londres victorienne. Eh bien on avait donc des gazomètres, pas seulement pour la distribution de gaz pour l'éclairage, hein, ce qui a fait dire que Paris était une ville lumière. D'ailleurs ces gazomètres pour certains ont été reconfigurés pour faire des bâtiments résidentiels avec des merveilles architecturales, comme ça a été le cas donc pour les gazomètres je crois de Jean Nouvel à Vienne, mais aussi donc pour des gazomètres qui sont réaménagés aujourd'hui à Londres. Et puis à Londres bien sûr on a la légendaire centrale de Battersea qui est en train d'être réaménagée aussi, c'est assez beau à voir. Aussi en matière de réaménagement, bah, on a le légendaire musée d'art moderne de Londres, cette galerie qui était une ancienne usine et qui est vraiment magnifique et qui a eu d'ailleurs des photos mises en œuvre d'art sur sa façade de JR si ma mémoire est bonne. Donc voilà, ça c'est les choses que j'aime vraiment, essayer de ne pas tout raser comme ce taré de Corbusier qui aurait fait plus de dégâts à Paris que Adolf Hitler si on l'avait laissé faire. Je rappelle que ce cinglé aurait voulu raser tout le centre-ville de Paris pour y mettre des tours cruciformes, c'était le fameux plan voisin. Et là pas de détails, hein. On aurait rasé le Grand Palais, on aurait rasé l'église Saint-Eustache, on aurait tout dynamité tout ça parce que c'est pas sérieux et que les tours cruciformes c'est bien plus sympa évidemment. Moi je préfère évidemment largement quand on réaménage des bâtiments industriels. Donc l'air comprimé à Paris c'était utilisé pour alimenter toute une infrastructure, ça allait jusqu'aux appareils des dentistes, ça allait jusqu'à des appareils pour les boulangers, etc. Donc en 1896 Paris pouvait produire comme ça 2 mégawatts d'énergie avec de l'air comprimé. Et ça allait donc jusqu'aux machines à coudre qui pouvaient être alimentées de cette façon-là. Et d'ailleurs, Paris avait tout un système de fourniture de courrier et de matériel avec des tubes à air comprimé. Ça allait dans tout Paris, c'était ultra moderne parce qu'on avait ce positivisme technologique complètement dingue dans la ville lumière. Donc, dans le stockage de l'énergie, on a la gravité, qui est l'équivalent contemporain de remonter le pendule de Huygens, mais de façon bien plus technologique, avec tous les moyens qu'on a actuellement. On a aussi les volants d'inertie, et ouais, fallait pas les oublier eux, pareil, ils étaient utilisés au 19e siècle, mais ils reviennent en force aujourd'hui parce qu'on a des nouveaux matériaux qui leur permettent de stocker beaucoup plus d'énergie, comme le graphène par exemple, et les soies justement, ce fameux ancien matériau du futur, des composites de soie ou des soies améliorées ou des soies modifiées pourraient donner aux volants d'inertie des rendements de dingue. Donc ce sont des technologies qui doivent absolument revenir au goût du jour. D'ailleurs parmi les anciennes technologies qui reviennent on a tout l'analogique aujourd'hui, hein. Les perceptrons analogiques de la fin des années 50 reviennent aujourd'hui pour l'intelligence artificielle parce que ce sont des composants qui ont des rendements assez incroyables et donc on a des startups aujourd'hui qui essayent de produire des composants basés sur l'analogique. Donc oui, c'est pas seulement la mode du bon vieux vinyle, c'est pas seulement la mode de l'analogique à l'ancienne, c'est aussi en fait des composants qui partiraient vers l'analogique. Et donc ces anciens trucs du futur en fait reviennent pas seulement pour les matériaux mais aussi pour les procédés et pour les composants. D'ailleurs il se trouve qu'évidemment le micro sur lequel j'enregistre cette vidéo est un micro à condensateur et à tube à vide. Évidemment, parce que ce rétro m'excite comme vous le savez. Alors, pour la gravité comme stockage de l'énergie, là aussi on peut utiliser d'anciennes mines, mais on peut aussi utiliser d'anciennes mines pour les gaz en fait, hein, quand on veut faire du stockage à air comprimé ou à air liquéfié, parce que vous avez typiquement des mines de sel où on extrayait le sel en envoyant de l'eau, qui ont aujourd'hui les prédispositions topographiques et physiques pour stocker du gaz liquéfié ou comprimé, et donc évidemment de restituer tout ça dans la joie et la bonne humeur. Vous avez aussi la possibilité de stocker de l'énergie en creusant, tout simplement. Et oui, hein, si vous faites un trou super profond, comme les Russes l'ont fait dans les années 80, évidemment, vous atteignez une profondeur où il fait très chaud, c'est tout bête. Et là, il suffit d'inonder ce puits que vous avez creusé pour pouvoir créer de la vapeur et avoir de la géothermie, tout simplement, actionner une turbine. Donc en fait, la géothermie, on peut la retrouver un peu où on veut, c'est juste qu'il y a des endroits
endroits où c'est pas rentable d'aller l'exploiter, puisque creuser jusque à se rapprocher du manteau terrestre, c'est pas forcément rentable. À certains endroits, ça l'est beaucoup plus évidemment quand vous êtes sur une faille entre deux plaques, ce qui est bien sûr le cas de l'Islande, où là, la géothermie, c'est quasiment cadeau, mais en fait, la géothermie, c'est comme le pétrole. Vous avez des pays comme ça qui sont bénis avec un pétrole qui, quasiment sorti du puits, est à la pompe, comme l'Arabie Saoudite, et puis vous avez d'autres pays, comme le Venezuela, qui ont un pétrole très lourd, très soufré, mais ça veut pas dire pour autant qu'ils l'exploitent pas. Bah, en fait, la géothermie, c'est la même chose. Vous pouvez avoir de la géothermie qui est cadeau, et ça c'est l'Islande, mais vous pouvez avoir de la géothermie en fait absolument en tout lieu. Bah, les gisements de chaleur terrestre, ils sont absolument partout. Évidemment, essayer de faire de la géothermie au sommet de l'Himalaya ou au sommet du Mont Blanc, c'est un peu con-con, mais là du coup vous avez d'autres options qui sont les barrages hydroélectriques, le territoire vous donne d'autres avantages, mais en réalité la géothermie vous pouvez en faire virtuellement où vous voulez. Si vous avez de l'énergie pour creuser quelque chose, bah, vous accédez à une chaleur perpétuelle que vous pouvez utiliser ensuite évidemment pour la restituer, pour alimenter des turbines avec de la vapeur d'eau, et vous pouvez produire des mégawatts de cette façon. Et là c'est quand vous voulez, puisqu'évidemment le manteau terrestre il est chaud tout le temps, c'est pas comme le vent, c'est pas comme toutes les autres énergies renouvelables, c'est disponible absolument tout le temps. Bah là aussi, on pourrait utiliser les énergies renouvelables justement pour creuser des trucs, tout simplement, et pour ensuite avoir accès à cette géothermie tout le temps. Pour ce qui est du stockage par gravité, bah aujourd'hui, il se détache du stockage par l'eau, en fait, où on fait monter de l'eau dans un réservoir. C'est typiquement ce qui a été fait à El Hierro, cette île aux Canaries, où ils ont utilisé des moyens éoliens pour faire monter de l'eau parce qu'ils avaient déjà un cratère utilisable. Le stockage de type Gravitricity ou les autres stockages concurrents, bah, ils peuvent être déployés en plaine, ce qui n'est pas le cas quand vous devez faire monter un volume d'eau comme à El Hierro. Et c'est donc aussi un avantage technologique de pouvoir développer du stockage de gravité en plaine. Enfin, pour ce qui est des anciennes technologies du futur, bah, les fameuses Sky Cells qui avaient été promues notamment par Gunther Pauli, c'est vachement intéressant parce que ça utilise en fait la technologie du yo-yo qui était promue par les Spartiates, et oui, pour les encourager à la tempérance sur le champ de bataille, à pouvoir prendre à agir pile au bon moment. Bah, le yo-yo, c'est ça que ça peut vous apprendre, remonter le yo-yo pile au bon moment, l'importance du temps juste, ce que disait Napoléon tout le temps, hein, dans une bataille vous n'avez qu'un moment juste pour agir, et il faut toujours comprendre et savoir le saisir. C'est pour ça que Napoléon d'ailleurs n'a pas déployé la vieille garde à Borodino, parce que il pensait que le temps juste n'était pas venu et qu'il existait un risque que la bataille soit continuée le lendemain. En l'occurrence, il a eu tort, mais c'est une autre histoire. Bah, cette technologie ou ce jeu qui était là pour apprendre la tempérance, le yo-yo, en fait, ça peut être aujourd'hui adapté, c'est déjà adapté aujourd'hui pour SkySail, et c'est plus évidemment un Spartiate qui tire le yo-yo, c'est une intelligence artificielle qui comprend pile poil quand remonter la voile, quand remonter cette aile kite. Là aussi, hein, le kite, c'est super vieux, c'est la Polynésie, etc. C'est des milliers d'années, bah, cette aile kite, vous pouvez la déployer comme ça, et c'est sur une techno de yo-yo. Bah, tout autour, maintenant, on a ces infrastructures ultra prometteuses pour stocker l'énergie, le gaz comprimé, le gaz liquéfié, la gravitricity sous différents formats, les batteries à rouille, que sais-je, les puits thermiques, on fait un peu ce qu'on veut. Bon sang, on devrait être plus dans l'esprit de Jules Verne, on devrait arrêter de se flageller, on devrait arrêter d'avoir cette religion millénariste de la honte et de la repentance ou des indulgences, parce qu'en réalité, les solutions de stockage, il y en a partout. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à ce génie qui était Westinghouse, hein, le patron le plus de gauche de tous les temps. C'est lui qui a inventé le week-end, c'est lui qui a inventé les villages ouvriers avec une qualité de vie très supérieure à ce qui existait partout dans le monde. Ses employés Westinghouse l'adoraient parce que c'était vraiment un génie et un grand homme. Bah, Westinghouse, il avait fait fortune en faisant des freins à air comprimé pour les trains, puisqu'en fait avant les trains avaient des freineurs qui risquaient leur vie, qui passaient de wagon en wagon en faisant tourner des volants pour faire freiner le train, et ça donnait plus de 5 km pour faire freiner un train, donc il y avait des accidents, eux-mêmes les freineurs vraiment risquaient de mourir tous les ans, et Westinghouse a inventé un système de freinage coordonné à air comprimé. Au début, évidemment, il a été accueilli avec un grand scepticisme. Hein. Vanderbilt, typiquement, lui a dit « Vous êtes en train de me raconter que vous pouvez freiner mes trains avec du vent. Écoutez, j'ai pas le temps pour ces conneries. » Bah, en fait, Westinghouse avait raison. Avec son brevet, il est devenu méga riche, et c'est lui
qui a participé ensuite à l'électrification, au courant alternatif bien sûr, avec un certain Nikola Tesla qu'il avait débauché de Thomas Edison. C'est une histoire assez épique, la fameuse guerre du courant. Hein. Et puis rappelons que l'électrification, c'est pas n'importe quoi, puisque Lénine lui-même avait dit « Le communisme, c'est les soviets plus l'électrification de tout le pays. » Bah, c'est ce que Westinghouse avait fait tranquillement aux États-Unis avec son courant alternatif. Mais tout ça, c'était né de ce brevet sur l'air comprimé. Donc, sous-estimez pas les technologies d'air comprimé et maintenant d'air liquéfié pour le stockage de l'énergie et pour l'industrialisation. Rappelez-vous ce leitmotiv de mon travail, l'intelligence cristallisée d'une civilisation, vous la retrouvez dans ses infrastructures. Et quand une civilisation est capable de déployer des infrastructures Jules Vernesques, eh ben là, elle montre son intelligence, elle montre son génie. Donc il faut pas des planificateurs, parce que vous trouverez tout le temps des planificateurs qui vont vous dire par analyse paralyse, cette grande maladie aujourd'hui, l'analyse paralyse, qui vont rester dans leur bureau et vous trouver mille et une façons que ça ne marche pas. Et oui, on rappelle cette citation légendaire, méfiez-vous de ces gens qui ont un problème pour chaque solution. La totalité des infrastructures grandioses qui ont été développées par les civilisations intelligentes ont eu en face des sceptiques, ont eu des Vanderbilt ou d'autres qui ont dit ça ne marchera jamais. Écartez-vous de ces gens-là, écartez-vous de ces cabinets du pessimisme qui pratiquent l'analyse paralyse et qui vont vous trouver toutes les façons que ça ne marche pas. Moi aussi, je peux vous trouver un milliard de façons de ne pas faire voler un avion, mais ce qui fait l'entrepreneur par rapport à l'analyse paralyse, eh ben, c'est justement de trouver les conditions de la physique où ça marche. C'est ça qu'on cherche spécifiquement. Eh ben, pour conclure, dans cette civilisation du contrôle déguisée en écologie, bien sûr, je m'inscris toujours en faux et je m'inscrirai toujours en faux contre le malthusianisme. Je m'inscrirai toujours en faux contre la religion du rationnement en lui opposant la science de l'abondance. La science, c'est cet essai-erreur brillant qui nous permet de trouver pile poil les conditions où ça marche. Et tiens, une dernière technologie qui m'éclate complètement aujourd'hui, les technos de la tenségrité. On a eu la tenségrité avec les ponts suspendus et l'architecture avec les câbles. Et puis Gaudi en était déjà un grand fan, même si il s'en est inspiré, mais n'a pas pu la déployer pour la Sagrada Familia, où il avait en tout cas pour faire les plans, tiré des câbles un peu partout pour essayer de mieux comprendre les lignes de tension de son bâtiment, d'ailleurs bien inspiré. Et d'ailleurs aussi, la totalité de l'art gothique était bien inspirée, mais c'est une autre histoire. Ça venait donc de l'abbé de l'abbaye de Saint-Denis qui se baladait en forêt et qui voulait faire la même chose que ce côté grandiose des forêts. Quand on se balade dans une promenade plantée, quand on se balade dans un chemin boisé, un chemin arboré, bah, il voulait reproduire cette beauté et cette monumentalité du vivant. Et c'est comme ça qu'il a créé l'art appelé gothique. C'était d'ailleurs une insulte, parce qu'en fait, on appelait ça l'art français. Pas mal, non? C'est français. Eh bien, la tensérité, vous prenez des unités gonflables sous pression et ça vous donne une certaine intégrité, une certaine structuralité. Et ben aujourd'hui vous l'avez pour faire des voiles. Vous pouvez faire des voiles sans mât. Tous les bateaux aujourd'hui pourraient avoir des voiles uniquement en tensérité, uniquement pneumatiques, qui fonctionnent comme des ailes en fait, donc qui permettent de tirer des bords, exactement comme les voiles génoises. Et en fait, ces voiles pourraient être déployées sur les porte-containers, comme d'ailleurs SkySail avait déjà été déployé d'une façon prometteuse sur les porte-containers, mais ces voiles-là ont l'avantage de ne pas nécessiter de mât, c'est-à-dire SkySail ne nécessitait pas de mât non plus, mais n'avait pas les mêmes rendements énergétiques. Bah, ces voiles, en tensérité, vous permettent d'avoir le même rendement qu'une voile, mais pas de mât, et donc elle pourrait être déployée sur les porte-conteneurs existants. Donc, voilà quand on a l'attitude d'un Jules Verne, voilà quand on a l'attitude de la science de l'abondance, et voilà bien sûr quand on a cet émerveillement pour le steampunk. J'aimerais conclure en citant notre ami Pasteur. Le plus beau mot que les Grecs nous aient laissé dans notre langue, c'est enthousiasme, avoir un dieu à l'intérieur. Évidemment, la religion du rationnement voudrait vous déposséder de ce dieu intérieur. Elle aimerait, elle, avoir le monopole de l'apocalypse. Opposez-lui toujours la science de l'abondance.